Déposer 30 000 âmes au pied de Jésus dans l'église d'Abidjan d'ici le 31 décembre 2024 est l'objectif que poursuivent les évangélistes et la JCMCI. Pour atteindre cet objectif, l'opération 1000 baptêmes a été lancée du lundi 6 au dimanche 20 octobre. C'est dans ce cadre que les évangélistes de l'église d'Abidjan, dirigés par le pasteur Antoine Edja, ont rendu visite à la zone spirituelle de Yopougon pour l'encourager à s'inscrire davantage dans ce grand mouvement de moisson des âmes perdues. Nous allons t'obéir dans tout ce que tu vas nous ordonner. Nous allons te suivre partout. Ce que tu attends de, ce que nous attendons de toi, que tu nous donnes seulement la direction. Dis-nous, allons-y ici, nous allons te suivre. Si le dirigeant voit ça, ici, le peuple leur dit aux dirigeants que nous sommes prêts à être fidèles. Rassure-toi, de la même manière qu'on a suivi Moïse, même si on sait que tu n'as pas le niveau spirituel de Moïse, nous, du fait que tu es le dirigeant, nous, on te suit. Compte sur notre fidélité. Compte sur notre engagement à te faire réussir comme on a voulu faire réussir Moïse dans la tâche que Dieu lui a confiée. Alléluia. Amen. C'est le message que vous devez adresser à votre dirigeant à travers une obéissance sans faille, à travers un engagement solide, ferme, quand il va voir ça. Même s'il doutait un peu encore, parce que même quand Dieu a fortifié Moïse, Josué, quand même qu'il a pris la direction, le peuple a même vu encore sa lenteur à prendre des décisions. Donc il fallait que le peuple qui devait diriger lui dire, mon ami, nous-mêmes on te fortifie. Tu as peur qu'on soit des fidèles. Non, on sera fidèles. Et si parmi nous, un s'amuse à ne pas obéir, nous-mêmes on va le mettre de côté. On va te suivre. On n'aura pas du temps à perdre avec des babatailles. Non, c'est pas lui. Non. Nous, on veut le mettre de côté et on te suit. Voilà ce que vous avez donné comme message. Acclamez-le. C'est avec ce message de fortification que les évangélistes de Yopougon qui ont Jonathan Obounon comme dirigeant se sont engagés à presser de l'avant et à joindre leur filet pour dépeupler le royaume de Satan. Nous sommes au lancement de l'opération 1000 baptêmes. Et la zone de Yopougon, nous sommes engagés à donner 300 baptêmes. Et les 300 baptêmes, c'est 300 âmes intégrées dans les effectifs de cette zone. Et nous allons changer notre manière de prêcher l'évangile. Nous allons prêcher de sorte que chaque jour, nous devons donner au minimum 50 baptêmes. Pour gagner les 300 personnes, il faut compter sur le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui peut nous donner ces 300 personnes. Et nous allons nous appuyer sur la prière. La prière et l'action des évangélistes sur le terrain nous donneraient les 300 personnes. Pour aller gagner les âmes, l'évangéliste Martial Asamoah, le responsable adjoint des évangélistes d'Abidjan, a demandé aux frères de se sanctifier et de renverser les idoles de leur cœur. Et nous attendons à des grandes choses, à des grands miracles. Et comme nous l'avons dit tantôt, Dieu opère beaucoup de miracles au milieu des païens. Mais ces miracles-là ont besoin de gens qui sont capables de recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire des gens que Dieu va utiliser pour accomplir de grandes choses. Et ceux-là ont besoin d'avoir le cœur qu'il faut pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'est des cœurs des personnes repenties, des personnes qui vivent dans la sanctification, des disciples en gros. Donc si tu n'es pas disciple, ce sera difficile pour toi de pouvoir accomplir de grandes choses. Tel que gagner des âmes, prêcher l'évangile et prier pour les malades et les malades soient guéris. Il faut être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Nous attendons à des grands miracles, nous attendons à beaucoup de choses. Donc nous demandons à tous les évangélistes, que tu sois de Yopougon, que tu sois d'Abobo, d'Adjamé, quel que soit, à travers la ville d'Abidjan, de se rassurer qu'il s'est sanctifié avant d'entrer dans ce programme-là. Quel que soit le lieu où tu te trouves, c'est un programme que Dieu veut utiliser pour accomplir de grandes choses au milieu d'entre nous. Mais il veut d'abord des cœurs qu'il peut utiliser lui-même. À Yopougon, ils ont eu le privilège d'avoir un nouveau dirigeant qui est l'évangéliste Obounon Jonathan. Et Obounon Jonathan est un évangéliste qui
avant avait aidé l'ancien responsable des évangélistes dans la direction. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a été choisi comme dirigeant. Pour réussir cette tâche qui lui a été confiée, il faut absolument que tous les évangélistes de Yokougon se tiennent avec lui. Parce qu'il faut un seul cœur, il faut une seule vision, il faut une seule pensée pour pouvoir accomplir des grandes choses à Yokougon. Et nous appelons donc tous les évangélistes de Yokougon à se tenir avec Obunan Jonathan, à travailler avec lui. Lui, écoutant les paroles, ou du moins les conseils du pasteur Innocent Lombé, et eux, le suivant. Parce que l'évangéliste, le responsable des évangélistes dans une zone, est un bras, du moins, pour les responsables de la zone. Donc, Obunan Jonathan fait partie aujourd'hui des bras du pasteur Innocent Lombé. Il faut que les évangélistes tiennent avec Obunan Jonathan afin que le pasteur Lombé puisse atteindre son objectif en termes de gagnement d'âme ici à Yopougon. C'était aussi l'occasion pour lui de lancer un appel solennel à tous les frères de l'église d'Abidjan afin qu'ils fassent de ce programme sien. Alléluia! En tant qu'évangéliste, nous avons reçu un mandat. Ce mandat, c'est d'aller prêcher l'évangile dans toutes les nations. Dieu nous a accordé cette lourde tâche-là de transformer un pécheur en un croyant, repenti et baptisé. Si nous faillons à cette tâche, il n'y aura pas de baptisé, il n'y aura plus de frères parmi nous. C'est l'enfer qui va se remplir et le ciel se vider jour après jour. Nous voyons des nouvelles tendances sorties tous les jours, telles que les homosexuels et autres. Pendant qu'ils sont en train de se manifester, pendant que des nudistes sortent, il faut que les évangélistes aussi se réveillent pour produire des grands résultats. Parce que face à cette montée du diable, vous voyez, c'est le diable qui encourage ces groupes de personnes-là. Il faut aussi que cette équipe que Dieu s'est mise à côté pour contrer cette montée du péché-là, cette équipe-là soit en action. Ainsi donc, l'opération 1000 baptêmes est lancée dans toute l'église d'Abidjan afin que nous répondions à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il nous faut vider l'enfer. Il nous faut vider les boîtes de nuit. Il nous faut vider les fumoirs. Il nous faut vider tous ces endroits-là où les gens se réunissent pour commettre le péché. Et c'est nous que Dieu envoie. Donc, évangéliste, quel que soit le lieu où tu te trouves, engage-toi dans ce programme afin que nous puissions déposer au pied du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, 1000 personnes et même plus que 1000 personnes répenties, baptisées, converties qui intégreront nos assemblées dans toutes les villes d'Abidjan. Des personnes qui deviendront des disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui seront nos disciples, qu'on va bâtir pour qu'ils soient aussi des serviteurs de Dieu, de ce Dieu vivant. Après avoir déversé de riches bénédictions sur l'assistance, la rencontre a fermé ses rideaux.